Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, coucou Dream Dream, coucou Marie-Christine, Nathalie, Isa, Émilie, Karel, Martine, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et puis, ben, si jamais c'est pas le cas, eh bien, je vous propose d'oublier tout ce qui se passe autour de vous et puis bah, tout simplement qu'on passe une heure ensemble, loin de tout, juste pour le plaisir. Ça vous dit? Ça vous dit. Allez, c'est parti. Coucou Nadine, coucou Mumu, hello Marie, coucou Maddy, coucou Valérie, comment ça va? Voilà. On est mercredi, il est 14h et comme chaque semaine sur la page Harmony Scrap, on se retrouve pour notre rendez-vous créatif. Coucou Marie-Thérèse, coucou ma Fabienne. Chaque semaine, ce petit moment, voilà, il est juste pour nous, rien qu'à nous. Un petit moment créatif donc, mais un petit moment de rigolade aussi. Voilà, juste prendre un petit peu de plaisir, ça peut pas faire de mal. Coucou Elodie, coucou Muriel, trop bien la boxe mensuelle. Ah bah écoute, je suis contente qu'elle te plaise, ça me fait plaisir. Coucou petit caillou. Super. Ah toi aussi Drin Drin, elle te plaît? Bon, bah alors vivement la prochaine. Merci Marie-Thérèse, à chaque fois tu partages la vidéo, c'est vraiment super gentil de ta part. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Si vous arrivez comme ça, par hasard, aujourd'hui, pour la première fois sur ma page, je vous souhaite la bienvenue. J'espère de tout cœur que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour que je sache que voilà, c'est la première fois que vous arrivez et que vous venez à ma rencontre. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment. Coucou Nicole, bonjour Nathalie, comment tu vas? Comment vous allez tous? Dites-moi tout ça. Alors, il y a plein d'infos. Coucou Rachel, comment ça va? Ah non, t'es pas connectée. T'es en train de faire un commentaire sur le groupe de la boxe. Pff, ça se mélange. Et bah coucou quand même, parce que je suis sûre que tu regarderas le replay. Donc oui, je vous disais, plein d'infos aujourd'hui. Valérie, je vais très bien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, ma petite Héloïse, plein de bisous, ma belle. Vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais nous sommes toujours dans la période promotionnelle de Celebration qui vous permet, pour vos commandes à partir de 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros d'achat, d'obtenir pas moins d'une dizaine de cadeaux à choisir dans une brochure bien particulière. Soit vous me l'avez demandé et je vous l'ai envoyé. Si ce n'est pas le cas, c'est encore possible. Ceci dit, vous trouverez donc dans la vidéo sur Facebook au-dessus le lien pour la version numérique. Et si vous regardez le replay sur YouTube, en bas dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir la découvrir. Cette période de Celebration, vous le savez, il y a aussi des cadeaux lorsque vous devenez démonstratrice. En gros, je ne vais pas m'étaler dessus, vous avez droit à deux sets de tampons qui vous sont offerts. En fait, la petite chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, coucou Francesca, ça va? C'est que effectivement, vous avez des avantages lorsque vous rejoignez l'équipe Stampin' Up pendant la Celebration. Mais j'y pensais tout à l'heure en préparant mon live. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. J'avais envie de vous parler deux petites secondes de ce que le fait d'avoir signé chez Stampin' Up a généré chez moi. Coucou Marie, ça va belle? Pas de problème pour le replay, t'inquiète. En fait, donc j'ai signé, vous le savez, il y a un peu plus de 2 ans, enfin ça fait 2 ans, le 3 janvier 2020. Et j'ai fait un petit peu le point de ces 2 dernières années. Et alors qu'on décide en fait d'en faire une activité à part entière ou qu'on décide de rentrer chez Stampin' Up simplement pour profiter des petites réductions, hein, parce qu'on en est tous là quand même. Au-delà de ça, ce que ça m'a apporté, c'est d'abord j'ai pris confiance en moi. Voilà. Et ça, je vous avoue que il y avait du lourd.
celles qui commencent à me connaître le savent. Il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, l'autre point qui n'a pas de prix, en fait, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ma toute simple signature d'agrément chez Stampin' Up. J'ai rencontré des gens virtuellement pour la plupart, physiquement une personne en particulier, chère à mon cœur. D'autres vont venir en présentiel. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix, en fait, cette aventure-là, ce que ça m'a permis de faire, et les gens que ça m'a permis de découvrir, ça n'a pas de prix. Et sans Stampin' Up, sans cet amour du scrap et de la carterie, je les aurais pas rencontrés, ces gens-là, et ma vie serait beaucoup plus triste. Croyez-moi, parce que du coup, sincèrement, il y a des amitiés réelles qui se sont créées et on se parle pratiquement tous les jours maintenant, c'est impressionnant. Donc, j'ai envie de vous dire, au-delà des réductions, au-delà de l'activité possible qu'on peut en faire, c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est pas des blagues, c'est pas des blagues. Il y a plein de gens qui sont en train de suivre le live en même temps et qui pourront confirmer. Voilà. Je m'arrête là-dessus. C'était important pour moi de vous le dire. Et je passe aux infos suivantes. Vous le savez, j'ai lancé un petit truc grâce à Stampin' Up. Ils sont en train de lancer une nouvelle collection qui sera éphémère et du coup qui va en fait, éphémère comme son nom l'indique, s'arrêter jusqu'à épuisement des stocks, mais notamment nous avons des super nouveaux blends pour les colorisations de peau. Et du coup, je vous propose tout un truc avec notamment un nuancier fait maison, entre autres. Voilà. Vous voyez, il y en a plein qui confirment. Je ne vais pas tout lire maintenant parce qu'il y en a qui vont me faire pleurer, donc je verrai après. Donc voilà, un nuancier justement, comme ça. Des petits cadeaux et tout. Donc voilà, c'est pareil. Vous avez le lien en haut de la vidéo sur Facebook, dans la barre d'infos sur YouTube. Tous ensemble, non, tous différents, tous Stampin' Up par By Harmony Scrap. Une collection magnifique, vous allez voir. Donc allez jeter un œil, vous verrez, je vous explique tout ça dans le blog. Coucou Brigitte, coucou Mumu, je t'avais pas vu. Ça va ma bichette, coucou Maroutine. Voilà. Et puis, on a aussi, vous le savez, il y a plein de kits qui sortent hein, régulièrement. Là, on en a un nouveau spécial anniversaire qui est sorti, qui s'appelle Allumons les bougies, qui est super sympa. Par contre, attention, ces kits-là, c'est jusqu'à épuisement des stocks. J'en connais beaucoup parmi vous qui se sont fait piéger, par exemple, pour le kit de Noël, et qui n'ont pas pu l'avoir. Donc, c'est pareil, je vous ai mis le lien dans la vidéo, vous savez où maintenant, hein? Coucou Karine, tu vas bien? Merci Karel. Donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à y aller, ne tardez pas, parce que ça va partir très très vite. Parfois, il y en a qui restent très longtemps et d'autres qui partent vitesse grand V. Là, sur le thème des anniversaires où vous avez tout dedans pour les réaliser, je pense que ça va être chaud. Voilà. Bien, je refais un petit tour de ce que je voulais vous dire. Les kits. Ah, si, dernière chose. Les prochaines portes ouvertes, vous le saviez, je vous l'avais dit, un deuxième épisode des portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap qui seront diffusées sur ma page Facebook Harmony Scrap est disponible en replay. Donc n'hésitez pas à me rejoindre le 9 février à 14h, voilà, pour découvrir de nouvelles créations, des produits du mini catalogue, passer un bon moment ensemble et surtout participer à la deuxième partie de la chasse au trésor. Voilà, donc je vous attends nombreuses et nombreux le 9 février à 14h, donc en remplacement du live créatif. On reste sur le même créneau, comme ça personne n'est perdu. Et du coup, il y aura un replay pour celles et ceux qui ne pourront pas être présents à cette occasion. Voilà. Pardon. Une chorégraphie en haut, en bas. Qu'est-ce que vous racontez? Un jour, Harmony nous fera tout de même une chorégraphie en haut, en bas. Non, je vais pas danser. Je vais pas danser. Non, mais je suis debout pour essayer
de soulager mon dos, voilà, d'essayer d'écouter les conseils de mon ostéopathe qui m'a dit, Harmonie, écarte les jambes, droite, et pas posée sur une jambe. Donc j'essaye de, voilà, d'écouter les consignes du professionnel. Tout simplement. Alors, hop, je vais changer de caméra. On va basculer sur le plan de travail. Je vais pouvoir vous remontrer donc la carte en détail qu'on va réaliser ensemble. Les magnifiques papiers que j'ai utilisés pour les réaliser et tout ça, tout ça. Donc attention, c'est parti. Ah que coucou. Ah Brigitte, j'ai la référence, vois-tu. Coucou Sandrine, comment vas-tu? Alors, hop, j'ai tout bougé, j'ai tout qui se promène. Coucou, qui est-ce que j'ai raté? Ah non, c'est bon. Alors, voici cette petite carte volée accordéon. Voilà, c'est pas toujours facile hein, de trouver le nom des cartes que je vous propose, mais on finit toujours par y arriver. Alors, je vais bouger un peu ça parce que je suis hors champ. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, cette petite carte toute simple, elle s'ouvre comme ceci, vous voyez. Hop. Donc on a un premier message à l'avant, on peut en mettre un second à l'intérieur. Quand elle est debout, elle est comme ceci. C'est pas grave, Émilie, tu feras après, t'inquiète. Il te fait des propositions louches, ton ostéo écarte les jambes. Oh! Crapouillot, sors du corps de Drin Drin, s'il te plaît. Et voilà que Nathalie s'y met. Coucou Muriel. Alors je commence déjà à avoir chaud. Si vous commencez comme ça, moi je vais pas y arriver. Je vais mourir de chaud avant la fin du live. Je vais peut-être entrouvrir ma porte. Voilà, je vais me faire un petit peu d'air. Hein? Voilà. Et donc à l'arrière, j'ai rajouté tout simplement un petit morceau de papier blanc pour avoir un petit peu plus de messages. Non, de place justement pour écrire le message au ou à la destinataire. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Bon, il y a plein de possibilités, hein. Le fait de mettre un tamponnage à l'intérieur n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien décider de mettre par exemple du papier design. Voilà. L'essentiel, c'est comme à chaque fois, vous le savez, je vous donne une base. Et après, vous laissez aller votre créativité, votre imagination. Vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez avec votre matériel à disposition. D'accord? Et puis si vous avez des petits coups de cœur, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Pour celles et ceux qui feront donc cette carte en replay, n'oubliez pas que vous aurez à disposition sur le blog les photos, vous aurez la fiche technique avec toutes les mesures, vous aurez également la liste du matériel que j'ai utilisé donc pour la création de présentation et pour la création qu'on va faire ensemble en live. Coucou Louison, comment tu vas? Il y en a qui sont choupinettes, oui, je suis d'accord. J'ai pensé aussi lorsque tu prononçais les paroles. Voilà, vous êtes en forme. Hein. Drinrin qui était dans le corps de Crapouillot. Ouais, et ben encore aujourd'hui, tu vois. Alors, pour la réalisation de cette carte-là, vous le voyez tout de suite là, j'ai utilisé la collection du mini-catalogue Champs en fleurs, donc avec nos tulipes. Incroyablement belle, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de couleurs et ça fait du bien. On est sur du papier 30-30. Voilà, vous le retrouverez à la page 15 si ça peut vous aider. Et puis, comme d'habitude, le fer de lance de Stampin' Up et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est la coordination des couleurs. Donc, forcément, le papier design correspond à des papiers uniques que nous avons dans nos collections, à savoir par exemple Calico Coquelicot. Pétale rose, pardon, tarte au potiron, riche raisin, piscine partie, oraison de bruyère. Donc vraiment l'idéal pour ne pas se poser de questions lorsque l'on fait nos créations en se disant est-ce que cette couleur va avec celle-ci? Là on se pose pas la question, tout va ensemble, on en est sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est top. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, je me suis choquée moi-même. Je suis sûre que tu as rougi toute seule dans ton coin. Il s'agit là d'une collection complète, ce qui veut dire qu'on a aussi des tampons et des poinçons. Hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je vous ai mis les découpes ainsi que les tamponnages. Donc on a les tamponnages avec les découpes contours.
Et puis, vous avez vu cette très jolie frise ici. Coucou Chantal et Jean-Luc, comment vous allez tous les deux? Et puis, on a de quoi monter donc des tulipes en 3D. Et donc, ici, vous avez, voilà, colonne par colonne, comment s'emboîtent ces petites choses. Parce que quand on reçoit le set de poinçons, on a le droit de se poser la question de savoir comment ça marche. Et bien voilà! Comme ceci. Alors, si jamais il y en a qui commandent la collection, envoyez-moi un petit mail et puis je vous enverrai cette présentation. Ça pourra vous aider si vous voulez. Aujourd'hui, je vais travailler avec une collection du catalogue annuel. Une que j'aime beaucoup et qui m'avait manqué, c'est Croquis du Jardin. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'aimaient vraiment, celle-là aussi. Et du coup, je me suis dit, allez hop, on l'utilise, des belles couleurs pastel qu'on aime beaucoup. Donc c'est avec celle-là que je vais travailler aujourd'hui. Donc catalogue annuel, page 104. Encore une fois, des couleurs très douces. Et puis bien sûr, une collection complète. Donc toujours tampon poinçon, n'est-ce pas? Voilà, vous avez un aperçu ici de ce que vous aurez dans la collection complète. Vous retrouverez bien sûr les références sur mon blog à la fin du live. Oui, pour Drin Drin, c'est clair. Exactement. Petit caillou, j'adore les croquis du jardin. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc c'est avec ça que je vais travailler et qu'on va faire notre carte aujourd'hui. Allez, c'est parti. Coucou Claudine, comment ça va? Hop, je vous laisse prendre vos papiers. Excusez-moi, j'ai chaud. Alors du coup, je bois un coup tout de suite. J'avais... Ah oui. Alors, je prends tout ça. Je vais prendre mon petit brouillon parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, c'est parti, on y va. On va démarrer. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la base de la carte avec le papier uni. Je vais. Ça faisait longtemps que le livreur UPS n'était pas passé pendant que j'étais en live. Et là, je vais croiser les doigts pour que j'ai un de mes enfants qui se dise, maman, elle ne peut pas y aller. C'est bon, Lily y va. Bon, alors Chantal, brouillard, vidéo, mauvaise connexion, si ça coupe trop, nous regarderons en replay. Bien sûr, il n'y a pas de souci, moi aussi, je suis complètement sous le brouillard. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, ça fait au moins 10 jours que j'ai pas vu le soleil. C'est l'horreur. Coucou Daniel. Alors, on démarre avec une première base unie en 14 par 10,8. D'accord? Donc en fait, c'est cette partie arrière là que j'ai faite en horizon de bruyère. D'accord? Donc juste tout simple, un rectangle de 14 par 10,8. Coucou Fatou, ça va? Oui, c'est bon, elle est allée le chercher. Voilà, je lui dirai merci. Après, je ne vais pas crier, elle est trop loin. Donc, sur ce morceau, hop, je vais le mettre là. Je vais essayer de les étaler pour que vous les ayez sous les yeux comme il faut. Sur l'avant, nous allons mettre un morceau de papier design et sur l'arrière viendra le morceau de papier blanc. Ok? Si jamais sur le papier blanc, vous décidez de faire comme moi et de faire un tamponnage, n'oubliez pas de commencer par le tamponnage avant de coller. D'accord? C'est toujours plus simple et puis si jamais il y a un raté, ça évite, pardon, de flinguer votre carte. Accessoirement. Et puis quand même pour l'appui, c'est quand même beaucoup plus pratique d'être à plat, d'avoir uniquement le papier. Ok? Donc pensez-y avant de coller. Fatou, ouais, écoute, je vais bien. Je te remercie. Ça va bien. Je suis plutôt en forme. Donc c'est cool. Ok. Donc, je vous répète, ici, un morceau de papier design, à l'arrière, le morceau de papier blanc. Avant de venir coller tout ça, on va simplement venir faire les plis de l'autre morceau de papier uni. Et puis on va commencer après le montage petit à petit. Ok? Donc celui-ci. Le deuxième morceau de papier uni, donc, qui va nous servir tout simplement à faire cette partie-là, la partie accordéon. D'accord? Oups. Pour cela, il vous faut ici un morceau de 27,9 par 10,8. D'accord? Sur lequel nous allons venir faire des plis, donc sur le bord long. Les plis, je vais vous les donner au fur et à mesure, mais je vous les ai quand même écrits ici. Ma routine, s'il te plaît. Et chouchou, t'en fais quoi?
Dis donc, tu vas me faire passer pour quoi là? Je suis pas d'accord. Hein. Ok, alors je vais prendre mon coupe-papier et on va venir donc faire ces fameux plis. Hop, sur ce morceau de papier uni. Alors, vous êtes prête? C'est bon, on y va. Donc, je répète. Le papier est de 27,9 par 10,8. Et on va faire les plis sur le bord long. Ok, le premier pli est à 5,4. C'est une coquine, Marotine. 5,4. Ensuite, 9,5. Neuf virgule cinq, 18,4. Donc notre cher Drin Drin Chéri vous remet les mesures dans les commentaires. Vous les avez sur le petit post-it et au pire des cas, eh bien vous les aurez sur la fiche technique sur le blog après le live. Donc 18,4 et le dernier pli sera à 22,9. Alors, est-ce que ma règle est bien droite? Oui. 22,9. Dis donc, Arel. Attention, hein. Pourquoi est-ce que là, ça me paraît complètement décalé par rapport à ma base de cartes? Alors. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une modification des plis, parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai un bug. Alors, bougez pas. C'est les aléas du live, hein, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Hop. Ça me paraît un peu plus grand. Donc, si je fais Mountain Valley, ça me paraît un peu trop large. Ou alors j'ai mal fait mes plis. Alors, c'est pas grave, je vais faire une petite vérification tout de suite. Si mon premier pli là, hop, ouais. Alors, ok, donc je me suis trompée dans mes mesures. Ceci dit, c'est pas très grave. Donc le premier est à 5,1 en fait. Voilà. Allez, je vais noter ça en même temps. Hop. Donc, 5,1. Ensuite, le deuxième est bien à 9,5. Donc ça ne change pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma plus grande règle. Voilà. Zou. Ça arrive hein, parfois qu'on note pas forcément comme il faut. Donc là, je suis bien à 18,4 et l'autre. Il est beaucoup trop grand. Alors, je vais tout de suite reprendre un autre morceau de papier. D'accord? En attendant, j'espère qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu, qui ne vont pas perdre ce morceau de papier à cause de moi. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres créations, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, premier pli, 5,1 armes. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que j'ai marqué 5,4, moi. Je prends mon papier. Alors, fleur de cerisier, veux-tu venir ici? Voilà. C'est parti. Je recoupe mon petit bout de papier. Donc dans la longueur, c'est parfait, puisque du coup, c'est la longueur de nos feuilles à 4. Et je coupe à 10,8. Zou! Voilà, c'est parti. Donc 5,1 pour le premier.
9 et demi pour le deuxième. Ceci étant dit, hein, je suis plus du tout stressée comme je l'ai pu l'être avant. Voilà, c'est ce que je vous disais en début de live. L'évolution, la prise de confiance en soi, et ben ça aussi, ça en fait partie, voyez-vous. Parce qu'à une époque, c'était une horreur. Ça aurait pu me flinguer, clairement, vraiment, ça m'est déjà arrivé. Là, je me dis, voilà, je suis en live. Les personnes qui sont là, ben, elles le sont parce qu'elles ont envie d'être là. Voilà. Et du coup, j'ai jamais eu la prétention d'être parfaite, alors ça va le faire. Ensuite, 18,4. Et pour finir, 22,8. Bon, il y a quand même des choses qui ne changent pas, c'est-à-dire que j'ai chaud. Vraiment. Ok. Sauf que ma partie de droite, eh ben, elle me paraît encore hyper grande. C'est quand même dingue, ça. Alors, je sais. Je sais. C'est pire que ça, les amis. C'est pas mon pli, mais du coup, ça, c'est pas grave. 27,9. Et là, je suis à combien? Ah, je sais ce que j'ai fait, mais non, c'est bon les mesures. J'ai compris. Pff, ça va pas du tout dans ma tête, hein. J'ai inversé les chiffres. Il y a bien écrit 27,9 sur mon truc, sauf que j'ai inversé en 29,7, c'est-à-dire la taille du A4. Merci, Drin Drin. C'est ça. J'ai inversé les chiffres, en fait. Voilà, ça va aller vachement mieux comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y avait presque rien de faux, à part pas 5,4, mais 5,1. Mais du coup, c'est juste que je me suis emballée et que je suis partie sur le A4. Ça va aller vachement mieux comme ça. Voilà. Ok, bien, allez. Non, je suis pas troublée, tout va bien, en fait. Je suis pas du tout troublée, mais par moments, on est convaincu d'un truc et tellement convaincu qu'on le lit, alors que c'est pas du tout ce qui est écrit. Alors, tu es sûre d'avoir bu que de l'eau tout à l'heure? Ah, oh bah, elle est pas mal celle-là. Oui, je peux même vous dire que c'est de l'eau pétillante. Voilà. D'ailleurs, je vais en boire un coup. Et vous exagérez, hein, vous allez me faire passer pour quoi maintenant? Non mais. MDR, Harmonicus qui se marre, du jamais vu, moi j'achète. Bah ouais, écoute, voilà. Allez, on va faire nos plis. Donc, hop, hop, c'est vallée et montagne. Voilà ce que vous devez obtenir. Montagne. Vallée, vallée, montagne. Heureusement que c'était un projet simple. Le rhum, ça a la couleur de l'eau aussi. Tu veux qu'on en parle du rhum, Drin Drin? Parce qu'on peut en parler, hein, si tu veux. Hop, voilà. Zou. C'est à cause des bulles. Francine, t'as raison, ça doit être ça. Je dois pas supporter les bulles. Les bulles plus la chaleur, l'ébullition. Voilà, résultat des courses. Ceci étant dit, avoir un petit coup dans le nez, juste en buvant de l'eau, moi j'aime bien l'idée. Hein. C'est moins nocif pour la santé, c'est moins cher. Franchement, c'est tout bénef. Hein. Coucou Jamila, comment ça va? Marie-Christine, la vodka. Ah ouais, t'es vodka, toi? Est-ce que tu peux changer sur le post-it? Mais bien sûr, pas de souci. Alors, mon crayon, il est là. Tu n'es pas embêtante du tout. 5,1, ça fait un peu cochon du coup, mais voilà, j'espère que ça se voit. C'est pas très propre, hein. Mais j'ai pas ma souris avec moi. Voilà. Ah là là, les connaisseuses. Coucou Elsa, ça va ma belle? Il est un peu tôt pour le mojito? Ouais, je suis assez d'accord.
Puis en plus, j'aime pas ça, le mojito. Franchement, c'est pas mon truc. Pourtant, tu n'as pas goûté mon gâteau. J'ai mis 20 grammes de rhum dedans. Oh la vache, Muriel! Je t'en prie, avec plaisir. Allez, bon, on va faire le montage, hein, parce que du coup, après, c'est super simple. Ici, donc, le morceau de papier uni qui va venir décorer. Hop! Notre fond de carte, c'est 13,5 par 10,3. Ok? On pose d'abord ça et ensuite on viendra coller notre petit mécanisme ici. D'accord? Donc voilà. C'est énorme, 20 grammes, ouais. Je suis assez d'accord. Il va être costaud le gâteau. Il faut pas souffler dans le ballon en sortant de chez toi. Tu m'étonnes. Ça dépend de la grosseur du dit gâteau. Oui, effectivement, c'est vrai. Moi, je suis pas une fan de l'alcool dans dans la pâtisserie. Mais du coup, bon, bah écoute, faudra me faire goûter un jour, Muriel. Avez vu, ça c'est le recto du papier que j'ai choisi. Mais là, du coup, comme c'est en fond, je voulais vraiment. Voilà. Je viens coller ça. Coucou Fabienne, j'étais sortie, beaucoup à faire, je reprends le taf lundi normalement. Yes, ça c'est la bonne nouvelle du jour Fabienne, je suis contente pour toi. Ça craint si c'est un cupcake, 20 grammes de rhum dans un cupcake, là effectivement ça risque de faire mal. Ok. Ensuite, on va venir donc s'occuper de ce petit mécanisme-là. Alors, vous voyez ici, je vous rappelle, donc quand il est ouvert, j'ai mis du papier blanc à l'intérieur que j'ai tamponné, ok, du papier de matage, j'ai choisi de mettre du blanc, et mon papier design, donc je vais coller tout ça et je vais vous donner les mesures. Alors, je vais faire d'abord les bandes de côté. Moi, j'ai fait le choix de ne décorer que les parties avant. D'accord? Vous pouvez aussi très bien décorer les parties arrière sans aucun problème, d'accord? Ok, c'est parti. Donc, pour les plus grands volets, c'est-à-dire ceux qui sont le plus à l'extérieur, aux extrémités gauche et droite, il vous faut donc deux morceaux de matage, de papier uni, qui mesurent 10,3 par 4,5. Je vais faire des muffins après le live. Je vais éviter le rhum. Tu m'étonnes. Ok, donc ceux-là, ils vont venir, donc je vous ai dit, sur les deux extrémités, ici et là. Voilà. Par-dessus, donc forcément, le papier design. Donc ceux-là mesurent 9,8 par 4 cm. Ok. Donc je vais vous mettre le papier DSP juste en dessous du matage. Ok? Donc là, en fait, hein, vous avez vu, je suis restée sur le même papier, recto verso, on est tranquille. Donc ça va venir dessus. Pour les seconds volets, même principe du papier matage. Donc je reste dans le blanc, bien sûr. Toujours là, 10,3, mais par contre en 4 cm de largeur. D'accord? Donc je le mets à suivre. Donc ici et là. Et le papier design qui lui est associé, 9,8 par 3,5, à chaque fois, il vous en faut deux. Voilà. OK? Donc je vais coller tout ça. Et pour la partie ici centrale, j'ai refait donc le même principe. Donc ici, j'avais utilisé donc la magnifique tulipe de la collection avec un petit message. J'ai fait un peu le même principe ici. Celui-ci vient du set de tampons de la Celebration, précieux instant qui est génial. Il y a plein de sentiments dedans. Et puis un tamponnage de la collection. Voilà. Et ce morceau mesure 10,3 par 8,2. Donc que ce soit du DSP, du blanc, du matage, en tout cas ici, ce que vous mettez au centre mesure 10,3 par 8,2. Ok, donc ça, je vais venir le coller tout de suite. Voilà. Il
ici, je ne sais pas, vous à l'image, vous voyez certainement du noir. En fait, j'ai tamponné mon message en mystérieuse brume qui est coordonnée en fait avec le papier ici. C'est celui que j'ai pas. C'est pas grave, Mumu. Allez, je vais essayer de faire vite pour coller tout ça. Voilà, en gros, c'est pas compliqué, hein, vous voyez. Voilà. Tout ça, ça aurait pu être fini si j'avais pas eu cet instant de solitude où j'ai vu 29-7 au lieu de lire 27-9. Hein. Faites gaffe aux bulles. Oui, car elle tue, m'étonne. Tu m'étonnes. Voilà, ce fut un petit moment d'égarement. Bon, c'est aussi le côté marrant des lives, hein, voilà, on fait tout en direct, donc on ne peut pas dire je mets la vidéo en pause, je rattrape ma bêtise et je recommence. Eh ben non. Voilà. Bon, ça va, je pense que vous arrivez à suivre du coup quand même. C'est vraiment pas compliqué comme création. Mais j'aime bien vous présenter ce genre de choses parce que du coup, c'est accessible à tout le monde. Et puis, celles qui ont plus l'habitude de scraper peuvent tout à fait s'amuser à corser un peu les choses en rajoutant des rubans pour une fermeture, en rajoutant un peu plus de déco, etc. Là, au moins, vous avez une base et du coup, après, vous pouvez vous éclater selon ce que vous avez, selon votre niveau, selon plein plein de choses. Alors, il y a un truc qui ne change pas, c'est que j'ai toujours aussi chaud. Je démarre, j'ai froid. Même pour tout vous dire, je travaillais ce matin dans mon bureau et j'avais tellement froid que, je vais vous montrer, bougez pas, que je portais ça. Des mitaines. J'avais trop froid, j'arrivais pas à me réchauffer. Merci Drin Drin. Ok, en fait il suffit de faire un live, hein. C'est nickel, ça réchauffe direct. Hop, voilà. Zo, ça c'est bon. Alors, pour que ce soit plus facile, je vais coller tout de suite donc mon morceau de papier blanc qui va à l'arrière. Ça bug, hein, mais j'y peux rien si ça bug. Je suis désolée, je peux rien faire. Un jour, peut-être, j'aurai la fibre. Mais là, c'est pas pour tout de suite. Le morceau de papier blanc que je vais mettre à l'arrière, c'est 13,5 par 10,3. Hop, je vais le mettre là. Et pareil, j'ai fait une petite déco, juste histoire de l'embellir un petit peu. Moi, je suis à côté du poêle à bois. Ça, c'est top. Tout le monde devrait faire des lives. Un geste pour la planète. Tu m'étonnes. Moins de chauffage. Faites des lives. Coucou, Maryse. Bah, écoute, je vais plutôt bien. Ça va. Je suis réchauffée. J'ai fait ma boulette de la semaine. Voilà. J'espère que tu vas bien aussi, Maryse. Et puis, faire un live si je fais la tronche... Pour vous, c'est pas très fun. En fait, vous me filez la pêche à chaque fois. Même si je suis crevée, ben, vous me donnez la pêche. Voilà. Donc, ça va être tout simple. On a suffisamment de place pour écrire notre petit message. Voilà. Donc, les mesures de ce papier blanc sont ici. Hein. D'accord. Et là, tout simplement, je vais venir donc coller. Donc, par l'arrière, hein, par la grande partie. Je vais centrer sur ma petite base ici, d'accord, tout simplement. Muriel nous fera des lives recettes de cuisine avec beaucoup de rhum pour nous réchauffer. Ah bah alors là on est tranquille. Tu m'étonnes. Hop, voilà. Alors c'est bon, je vais essayer de centrer ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est joli. Voilà. Allez, un petit coup de plioir pour aider tout ce petit monde à bien se plier. Voilà.
Et il va nous rester donc la partie centrale à faire. Voilà. Ok, puisque là vous voyez sur la carte originale, j'ai rajouté donc un carré de matage et un carré blanc sur lequel j'ai fait un tamponnage. Ok. Donc ce carré de matage mesure 7,6 par 7,6. D'accord. Ici, il va falloir faire plus de live harmonie. Tu sais Muriel, j'y ai déjà pensé en fait. Mais sincèrement, ça prend un tel temps à préparer les lives. Trouver le projet, trouver avec quoi le présenter, préparer les tutos, faire le live en lui-même avec toute la partie technique, informatique et tout le bazar, même si maintenant je le fais un peu plus vite qu'avant, sortir tout ce dont j'ai besoin pour le jour J, après faire les publications, faire l'article de blog, faire le chargement sur YouTube. Je suis pas sûre que j'arriverai à en faire plusieurs dans la semaine. En tout cas, ou alors d'une qualité inférieure en tout cas. Coucou Louison, ça va? Donc 7,6, ok. Et le papier blanc par-dessus, donc là, 7,1 par 7,1 que j'ai déjà tamponné, que je vais juste venir rapidement coloriser avec mes blends. Okay. Et donc, il viendra ici coller. Voilà. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, bien sûr, vous pouvez d'abord mettre une découpe plutôt qu'un tamponnage si vous préférez. Ok. Et quand vous allez venir coller, n'oubliez pas de, bien sûr, ne coller que la moitié de gauche, d'accord, sur le panneau, ok, et pas de mettre de la colle partout sous le carré. Ça peut arriver quand on est lancé, d'accord? Oui, tu vas le faire en replay. En replay. Super. Oui, ça doit être pas mal de boulot. Oui, 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 c'est beaucoup de boulot. Ça, c'est clair. Alors, pour ma colorisation, je suis restée dans les mêmes couleurs, en fait, que les... Comment dirais-je, je vais y arriver, hein. Que le papier. Donc, je suis partie avec le Narcisse Délice. Voilà, puisqu'il y en a dans mon papier. Le Piscine Party et le Macaron à la Menthe. Alors, le Macaron à la Menthe, je vais l'utiliser donc pour mes feuilles. D'accord, je vais essayer de vous faire ça rapidos. Hop. Voilà. J'ai rarement la possibilité de faire la colorisation en live. Hop. Donc je vais... J'ai pas pris le bon, j'ai pris le foncé en premier comme une nouillasse. Voilà. Donc je colorise d'abord avec le clair, n'est-ce pas? Et on commence pas par le foncé comme j'ai fait avant. Ok, je viens coloriser toute ma feuille avec le clair. Ça va humidifier mon papier. Tac. Et ensuite, je prends mon foncé pour venir lui donner des ombres. Alors, mais le résultat est super sympa. Merci Francine, c'est gentil. Je regarde la main. Là, je dois remettre. Hein, je vous laisse. À votre scrap au rhum. Bon courage, Karel. Plein de gros bisous, ma belle. Hop, je vais me servir en fait tout simplement du dessin du tamponnage, voilà, pour donner un petit peu d'ombre à mes feuilles, voilà, avec le foncé, j'insiste plus ou moins, voilà, et ensuite je viens remélanger tout ça avec mon clair, voilà, pour que ça soit uniformisé, mais qu'on ait quand même cet effet foncé clair. Voilà, sur la carte. Ensuite, pareil avec mon Narcisse Délice. Donc là, je vais coloriser la jolie fleur ici. Donc pareil, je pars avec mon clair. Je vais coloriser toute ma fleur. Voilà. Et puis donc avec mon foncé, bah pareil, je me sers, voilà, des dessins du tamponnage tout simplement. Donc là j'accentue en fait le centre et je viens remélanger, hop, avec mon clair. Ils sont magiques ces feutres. Voilà, j'y
viendrai au centre mettre un petit embellissement. Et pour finir, donc je vais coloriser le reste ici. Alors, avec le piscine party. Mais avant ça, je vais finir ma fleur là. Non, ça c'est le piscine party. Harmonie, tu fais des bêtises. Là, regarde tes bouchons. Hop, j'avais pas fini le bout ici. Ça fait peur au début la corallisation au blend, mais quand on essaie, on se rend compte que c'est assez facile. Ça, je suis bien d'accord. C'est un vrai bonheur même à faire. Bon là, je le fais vite, mais quand j'ai le temps, j'adore faire ça, parce que du coup, ça me détend tellement. Ok, et maintenant, donc, je pars sur mon piscine party. Vraiment pour rester dans les mêmes tons de mon papier, là. J'aurais aussi pu utiliser Horizon de Bruyère. Mais je me suis rendu compte que je l'avais utilisé beaucoup ces derniers temps. J'étais très très violet en ce moment. J'ai remarqué sur mes publications Instagram, dans mon fil d'actualité, je dis « Ah, c'est Horizon de Bruyère. Ah, Crabe Gourmand. Ah, Horizon de Bruyère. » Voilà. J'adore les noms des blends. Ouais, Nathalie, je suis assez d'accord. En fait, les blends portent exactement les mêmes noms que le papier uni et les pattes d'encre aussi, par exemple. Tout est lié, tout est coordonné. Donc, les papiers unis, voilà, tout ça, les pads et tout, bah, tout porte le même nom, comme ça. Pas de problème d'erreur. On est tranquille. Voilà, allez, on remélange un peu tout ça. Bon, vraiment, je prends pas le temps de le faire, là, je le fais très vite. Et même pour celles qui les découvrent, ça vous donne déjà une idée. Vous retrouverez une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, si vous voulez, où je détaille un peu plus cette fameuse colorisation au blends. Bien, donc je vais venir coller ça maintenant. Hop, je vais enlever le post-it, peut-être ça peut être pas mal. Ceux-là, ils vont ensemble. Coucou Sonia, comment ça va? Hop. Harmonie, c'est pas bien les bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Ah bah oui, le post-it. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui les commentaires, ils sont... Je les ai presque en temps réel, à peu de choses près. Ouais, c'est dans une... Ça donne un rendu incroyable les blends, vraiment. Ok, allez, je vais venir donc coller ça ici. Je ne suis pas douée en technologie et c'est mieux en présentiel pour goûter. Oui, effectivement. Hop, je viens coller. Donc, on n'oublie pas, on s'arrête à la moitié de notre carré. Et on ne colle pas partout. Et là, du coup, hop, je referme et je viens centrer mon petit carré là. Vous pouvez aussi choisir de le coller à droite, hein, sans problème. Voilà, je vais rajouter une petite étiquette que j'ai déjà tamponnée, qui est tout simplement Bonne Fête, que je vais venir mettre ici, tout simplement. Bonne Fête à une personne formidable, jour après jour. Ça a un petit côté magique. D'abord le premier message et ensuite, pouf, on continue. Et du coup, à l'arrière, hop, on aura écrit nous-mêmes. Ça, c'est top. Alors, je vais les coller avec mes dimensionnales, donc mes mousses 3D. Je ne sais pas pourquoi je les sors jamais. Hop. Ah bah si, en fait. je m'emballe, mais ils étaient déjà sortis. Donc, je colle mes petits dimensionnales à l'arrière. Voilà. Un petit bout, celui-là, pour finir. Je vais mettre... Tac. Voilà. Comme ça, on donne un petit peu d'épaisseur. Voilà. Merci, Drin Drin. Ok, alors, je vais le mettre là. Il va dépasser un peu ici. Voilà. Nickel, et je vous ai dit, je vais mettre un petit brillant en fait au centre là de ma fleur. Hop. Voilà. Ça c'est top.
Tout de suite, ça habille le centre de la fleur, c'est trop joli. Ok, un autre ici. Et un petit troisième que je vais mettre là, tiens, par exemple. Et voilà. Tout simplement. Hop, ça y est. Ah, on a réussi. Je vais retirer donc tous les petits post-it là. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Vous retrouverez, si vous avez besoin, les mesures sur le blog, dans la fiche technique. Il n'y a pas de souci. C'est normal que les panneaux devant dépassent environ 6 mm précisément en dessous. Bah moi, ça ne dépasse pas du tout. Donc, non, en fait, Chantal, je suis désolée. Mais là, vraiment, j'ai... Non, non, ça dépasse pas du tout, moi. Là, ils sont vraiment alignés. Quand l'accordéon est plié... Ouais, non, non, moi, l'accordéon est plié et... Quand je suis à plat, non, non, ça dépasse pas. Petit caillou, il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc voilà les deux versions. Hop, donc avec Champ en fleurs, la nouvelle collection de mini catalogue, et puis avec Croquis du jardin, qui est toujours dans le catalogue annuel en ce moment, qui est juste magnifique. Voilà, comme ça. Et ça s'ouvre sur un autre petit message. Là, pareil, une belle occasion à célébrer. Personne ne mérite une plus belle fête que toi. On a vraiment des choses superbes. Chantal, pour la base. Pas la base. Eh bien, Chantal, je ne sais pas. Vous avez peut-être fait une erreur dans vos coupes. A priori, c'est possible, hein, parce que du coup, moi, j'ai pas lu les bonnes mesures à un moment donné. Donc, si vous avez bien fait le premier pli à 5,1, etc., normalement, il n'y a pas de souci. Merci, Louison. Parce que là, pareil, hein, voilà, là, non, non, tout est bien aligné. Et puis, celle-là, je l'ai vraiment faite avec les mesures que je vous ai données. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Peut-être faudra recommencer avec la fiche technique et avec les bonnes mesures. Voilà, voilà. Deux versions très fleuries, hein, c'est clair, mais qui changent un petit peu d'univers. Là, on a la colorisation au blend. Là, on a simplement le tamponnage directement avec les pattes d'encre. Donc, vraiment très sympa. Merci beaucoup, Karine. Merci, Sandrine. C'est très gentil. Ah, voilà, ça y est, nous arrivons déjà à la fin de notre live. Donc, je suis désolée hein, pour ce petit bug que j'ai eu de mal lire mes nombres. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien sur la fiche technique. Vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, Chantal, vous voyez, bon, bah c'est parfait. Alors, si vous arrivez, tout va bien. Ça dépasse aussi. Ah, bah alors là, je vois... Bah alors, du coup, j'ai pas compris votre question, Chantal, du coup... Sur moi, ça dépasse de 6 mm. Mais ça dépasse d'où, en fait? Alors Chantal, je pense que vous allez me contacter en message privé, ok? Et puis on pourra voir ça ensemble, parce que du coup, j'ai probablement pas compris le sens de votre question, parce que l'accordéon ne dépasse pas ici, sur mes cartes, mais pas de souci, peut-être que vous allez me formuler ça différemment, et je pourrais... probablement vous aider, en tout cas je n'en doute pas. Voilà, voilà, merci Sandrine, comment tu vas ma belle, je t'avais pas vue. voilà, vous avez eu plein d'infos en début de live, retrouvez donc tous les liens sur Facebook au-dessus de la publication et sur YouTube dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre bien sûr à toutes les questions que vous pourriez avoir. N'oubliez pas, si vous avez craqué sur le kit allumez les bougies, ne tardez pas pour ne pas vous faire piéger. Coucou Monique, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà, si le
cœur vous dit, rejoignez mon équipe et venez découvrir cette belle aventure avec moi. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment pendant ce live. Moi, en tout cas, oui, ça a été très sympa. J'ai eu chaud, je me suis un petit peu ridiculisée. Mais voilà, ça fait un moment à part, en direct, ensemble. Et puis pendant ce temps-là, j'oublie, moi en tout cas, tout ce qui se passe autour. J'espère que ça fait pareil pour vous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un premier prochain live. Vous aurez donc le projet publié samedi à 11h, comme chaque semaine. Et puis notez dans vos agendas la date donc du 9 février 14h pour les portes ouvertes, épisode numéro 2, avec bien sûr la deuxième partie de la chasse au trésor. Merci Marie-Christine, ça c'est gentil. Bisous Nadine. C'est gentil Nathalie. Merci ma Fabienne. Allez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Surtout prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.